Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo réveil musculaire. Donc je vous propose cette vidéo quand vous vous levez le matin pour attaquer, pour passer une bonne journée. On va d'abord commencer par boire quelques gorgées d'eau, c'est très important le matin au réveil de boire. Et on va tout de suite attaquer avec des rotations au niveau du cou, donc histoire de s'étirer un petit peu, voilà, de se réveiller tout en douceur. Donc rotation un petit peu à droite, à gauche. Je vais venir tirer un petit peu plus sur le côté, donc côté gauche, je viens tirer, rotation, côté droit, je viens tirer, histoire d'aller légèrement un petit peu plus loin dans l'étirement. Je vous propose de passer aux épaules, rotation arrière. Donc on va faire un petit peu arrière, un petit peu avant, histoire un petit peu de réveiller les épaules. On passe à l'avant. Je me remets en place, bien installer les jambes croisées et je vais venir chercher très très haut pour m'étirer avec les doigts croisés. Puis je vais venir chercher devant le plus loin possible et je reviens petit à petit. On va faire ça quelques fois. Je vais chercher haut, je prends une grande inspiration et je souffle. Je vais au sol, je reviens et je recommence. Une inspiration, je m'étire, je me grandis. Je pars devant, le plus loin possible, puis au sol. Et je reviens petit à petit tout en expirant. Je vais venir chercher loin, mais cette fois-ci, je vais aller chercher sur le côté. Donc toujours pareil, on essaye de se grandir le plus possible. On va chercher à droite, à gauche. Vous devez sentir que ça tire un petit peu sur les côtés au niveau du ventre. Mais il ne faut pas non plus que ça vous fasse mal. Je fais ça 3-4 fois. Et puis à nouveau, je vais m'étirer vers le haut et aller chercher devant. Et puis le sol, on revient. Et j'effectue une dernière fois. Je vais chercher le sol. J'expire, je reviens. Et je vais venir m'installer, position allongée sur le dos. Je viens chercher ma jambe droite, tendue. Puis plier et je vais venir tirer. Je récupère ma jambe, je tire, je pose, je tire et je reste pendant quelques secondes. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tire. Troisième fois et une dernière fois où je vais bloquer. Je bloque un petit peu en haut. Et puis je vais venir chercher ma jambe tendue cette fois-ci en faisant des petites rotations au niveau de la cheville. J'essaie de tendre ma jambe, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. J'en profite pour bien échauffer les chevilles. On reste une vingtaine, une trentaine de secondes sur chaque muscle articulation. Je viens chercher l'autre jambe. Et c'est reparti, rotation au niveau de la cheville. Je vais venir ensuite attraper mes deux genoux et faire des petits mouvements de droite à gauche. Puis je vais venir me relever un petit peu en ayant toujours mes jambes. En jouant toujours là un petit peu sur l'amplitude et je me relève. Allez, ensuite on va tendre les bras à chaque fois qu'on va monter pour essayer d'aller chercher le plus haut possible. Je m'étire, je me remets au sol, je détends mes jambes et je remonte. Je tends les bras.
Pensez à bien expirer, inspirer. C'est très très important. Je m'étire et cette fois-ci, je vais venir chercher entre mes jambes. On va faire des sit-ups. Bon, vous inquiétez pas, on n'en fait que 2 ou 3. Mais c'est pour histoire de réveiller un petit peu les abdominaux. Pensez à bien serrer le ventre surtout. Le bas du ventre, c'est très très important chez les femmes, chez les hommes. On serre le périnée et on continue. On va chercher une dernière fois. Allez, je m'étire, je prends une inspiration et je souffle. Je vais ensuite me mettre en position du chat pour le dos rond. Allez, dos rond. On rentre le ventre, toujours. Dos courbé. Dos rond. De toute façon, sur tous les exercices, pensez à bien le rentrer le ventre. C'est hyper important. Donc, ensuite, on se courbe. Dos rond à nouveau. Et on va faire ça quelques fois. Je relâche, je passe au sol, je vais venir mettre mes coudes et on va partir en position gainage quelques secondes. Toujours pour éveiller la sangle abdominale, je me positionne en gainage. J'essaie d'être le plus droit possible, de serrer les omoplates. J'essaie de pas trop trembler. Ok, on relâche, on se pose sur les genoux. Je viens m'asseoir sur mes pieds et on vient tirer. Donc devant les épaules, à droite, à gauche. Je vais ensuite me mettre en position pour étirer les abdominaux. Donc on étire. Jambes tendues. Et petit à petit, je vais remettre en position gainage. Et c'est reparti pour 15-20 secondes dans cette position. Ok, on peut relâcher. On se met sur les genoux à nouveau. On vient chercher le plus loin possible devant. On s'assoit sur ses pieds. Puis à nouveau, on va venir étirer les abdominaux. Je souffle bien, toujours. Toujours pareil. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, je le répète toujours, mais les étirements, ce n'est pas fait pour vous être mal, pour vous rendre mal. C'est fait vraiment pour vous soulager à la fin de la séance. Je me remets en planche une dernière fois en gainage ventral. Et je finis par reposer. Je vais venir me tourner. Et je me mets au sol. Donc dos au sol. Et je vais faire quelques levées de bassin, donc des hip thrusts. Histoire d'échauffer un petit peu le fessier, de le réveiller. Je fais 3 levées de bassin, puis je vais bloquer en haut. Allez, hop, je bloque. Et on va faire ça quelques fois. Je relâche complètement, je peux m'étirer encore une fois. On souffle bien, on respire un coup. On se détend. Et on va venir chercher à nouveau une jambe. Donc là, je viens chercher ma jambe gauche pour pouvoir ensuite la faire basculer de l'autre côté. Je bascule. Et là, vous allez sentir que ça tire au niveau du fessier. Pas de surprise, je change de jambe
et je recommence de l'autre côté. Je bascule. Et il faut sentir que ça tire. Allez, je peux relâcher. Dernier exercice. On vient mettre un genou devant. Et on va venir étirer derrière avec son bras opposé. Donc si j'ai mis le genou droit devant, je prends mon bras gauche. Je vais venir chercher et voir derrière. Je relâche et je recommence. Donc essayez d'avoir un bon équilibre. Et on étire, on vient chercher derrière soi. Allez, on change de côté. Jambe gauche devant, je vais venir prendre mon bras droit et je vais venir regarder derrière moi et tirer en arrière. Allez, dernière fois, je viens chercher derrière moi et je relâche. Je pense toujours bien à voir et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.